Bon matin tout le monde. Ce matin, j'ai décidé que je vais me faire des amis. Parce que le monde n'aime vraiment pas ça quand tu as un espoir là, que tu t'es accroché dessus. Tu t'accroches à Babylone, les miettes de Babylone, puis là, tu y enlèves, là, ils sont pas contents. Mais c'est par charité que je le fais. Parce que depuis le début, cette histoire-là, le maximum overdrive, les truckers, là, c'est là, ça sent pas bon, cette affaire-là. Mais ça a pris une ampleur comme un champignon dans la nuit. Hein. Ça a poussé subitement. Puis, moi, je me suis dit, ça sent pas bon, ça. Là. Pourquoi j'en parle maintenant, à 3 jours de l'événement, puis j'en ai pas parlé avant? Je dois avouer que je m'étais dit, moi, je parle plus des pièges potentiels, ou des pièges tout court, car ça fait 2 ans que je les pointe. Plusieurs personnes les pointent, puis ça sert à rien. J'ai obligé de constater que ça sert à rien, car tu manipules le monde avec des faux espoirs, il n'y a rien qui a changé. Là. Puis ça changera, malheureusement, jamais. Le plan suit son cours. La revue The Economist, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ça, c'est les Rothschild, en passant, la famille Rothschild, là, qui ont acheté ce magazine. D'ailleurs, tous les magazines appartiennent à ces oligarques du monde. Eux, ils semblent avoir prévu une pénurie alimentaire. D'ailleurs, c'est même dans la pensée collective. Mais comment pensez-vous qu'ils vont organiser ça, là, si jamais c'est le cas? Parce que ça, moi, j'ai tout de suite fait un lien. Tu sais, les magasins d'alimentation au Canada, aux États-Unis, c'est livré par des camions. Hein. Puis, dans le film que j'ai mis au début, Maximum Overdrive, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais c'est la vérité dans les films. Des films d'anticipation, peut-on dire, parce qu'il n'y a pas juste la science-fiction, les films d'horreur puis tout. La vérité dans les films, les mensonges dans les médias. Moi, j'ai tout de suite fait des liens, OK? Il me semble que ça fitterait d'une façon plausible cette option. Mais il y en a d'autres, là. Il n'y a pas juste ça. Il y a plein de merdas possibles avec cet événement. Comment le gouvernement, les marionnettes du gouvernement, là, parce qu'il y en a qui disent « Hey, c'est pour kicker Trudeau dehors! » Là, je vais vous montrer ici une autre preuve là, par rapport à Trudeau, que c'est une marionnette, un acteur de théâtre, comme toute la gang. Là. Regardez ça, là. On revient après. Friends, Romans, countrymen. Je tiens à préciser que t'es content. Ça, c'est à l'enterrement de son papa, le début. Je montre la fin parce qu'on ne s'éternisera pas sur ce pantin. And earned his sleep. Je t'aime, papa. Vous voyez quel genre de personne ça prend pour faire office de dirigeant des pays dans ce charmant monde moderne. Faire semblant de pleurer sur la tombe de son père en attendant son tour dans le rodéo. Parce qu'après lui, quand il va être kické dehors, ça va être un autre. Comme les autres, « Fuck you, le gars! » au Québec. Là, ils croient qu'ils n'ont pas compris que le système démocratique, c'est ça le piège. Là. C'est un mensonge. Si, quand le gars, quand lui, vont partir, le bouc émissaire, ça va être un autre du système en place. Là. Ça tombe bien, je suis sénile, donc je peux me permettre de me répéter sans arrêt, sans m'en rendre compte, mais dans ce cas-ci, j'avoue que j'ai des réminiscences de l'avoir dit quelques fois. Dès qu'on voit dans un slogan, dans une affiche, dans un groupe, liberté à quelque part, là, vous savez d'où ça vient. Et comment se nomme ce charmant convoi? Le convoi de la liberté. Je vous donne une astuce, un truc. Quand vous voyez liberté, là, vous biffez et vous remplacez par Satan. Donc, ma traduction à moi, c'est le convoi de Satan.
Là, j'entends des voix, mon Dieu, hein, il fait chier, lui, encore une fois. Mais je vais te montrer des images juste d'eux, parmi une panoplie que j'ai vue. On est rendu à ce niveau-là. Le monde, probablement, il voit le diable nulle part. Et il ne voit plus les blasphèmes nulle part. Tu sais, là, regardez ça, là. Regardez ces belles images du type Q, là. Tu sais, l'arnaque Q. Tu sais quoi, le rapport avec Q? J'ai eu ouï dire que plusieurs milliers de camions en provenance des États-Unis s'en venaient supporter les Canadiens. Là, ils sont devenus solidaires là, avec les Canadiens. Tu sais, tout le monde a plié, là, dans les médecins, à tous les niveaux, là, tous les corps de travail ont tous plié, mais les truckers, eux autres, ils plieront pas, là. Ça vient des États, là. Ça sent très bon. Mais ça, moi, j'ai vu, hey, ça me fait penser à du cul, ça, là. Regardez ça, et c'est aucunement blasphématoire, hein. Je vais poser une simple question. Comment croyez-vous que le gouvernement va réagir? Va-t-il reculer après 2 ans, tu sais, du plan mondial qui est en cours, appuyer sur le bouton? Pensez-vous que ces personnes-là vont reculer? Parce qu'on sait que tu sais, le narratif de la pandémie est pas mal finito. Monsieur, madame, tout le monde n'y croit plus, à part ceux vraiment qui ont essayé la religion du corona circus. Hein. Eux, ils y croient, mais la majorité n'y croit plus. Puis je crois pas que avec l'été qui s'en vient, le monde vont plus y croire. Parce que veut pas, c'est comme l'homme qui criait au loup, hein. Ça a un temps limite, puis ensuite le monde débarque. Mais connaissant comment agissent les charmantes personnes au-dessus, voyez-vous qu'ils vont dire oh fuck, on a raté notre coup, on va s'en reprendre, ou qu'ils vont. Ils vont bifurquer ça ailleurs, des endroits encore plus charmants et marrants. Ah, vous savez que eux, là, ils n'ont aucun problème à éliminer 80% de la planète. Faut pas oublier ça, là. Puis, comment est-ce qu'on pourrait changer la donne? Tu sais, il y a plein de facteurs possibles avec ça, entre autres. Il y a plein de choses. Là. On peut serrer la vis grandement. Nouvelle loi, armée. Provoquer une pénurie de bouffe. C'est guerre en Ukraine. Il y a une panoplie de possibilités, là. Mais ça, c'est pas pour être rabat-joie que je dis ça aucunement. C'est juste pour que le monde soit conscient que ça sent pas bon, cette affaire-là. Ça sent vraiment pas bon. Vous savez, quand les bifurqueurs là, qui sont dans le champ depuis 2 ans puis qui vont l'être encore dans 2 ans, et à l'infini, vous disent hey, ça c'est bon, on les supporte. Allez de l'autre côté. Fallait que je le dise, je l'ai dit. Si ça a choqué des personnes, j'espère que suite au choc, ces personnes vont réfléchir puis faire face à la réalité, là. Parce que c'est mieux prévenir que guérir, hein? Toujours mieux. Come on, Ross, let's go! Come on, go, go, go!